Ouais, moi je vais commencer à économiser pour le truc d'endurance. Il parle. Ouais, c'est ça. On l'a acheté tout de suite, fait que comme ça, ça. Ouais, deux. Ça y est, on arrive en Chine. Parfait. Ça va, tu tiens le coup? T'aurais dû me dénoncer. T'aurais été blanchi. Peut-être. Mais ça n'arrêterait pas Simmons. Et puis, je commence à m'habituer à ta présence. Elena. Oh non, pas lui à bord en plus. Et pas. Il me French kiss. C'est pas très santé, French kiss, ça. Ça, je disais. Tu vois, hein, ça a fait ben trop mouillé, là. Elle est venue immédiatement, Chris. Ça a pas duré le plaisir, là. C'est moi qui cours! Pourquoi c'est après moi qui cours? Pourquoi il court tout court en fait? Léon, Elena, vous me recevez? Il y a un problème avec la cloison étanche. Allez vers l'arrière de l'avion et trouvez ce qui cloche. Tiens, on a tout passé les balles d'assaut dessus. Gardez votre calme. Regagnez votre calme. Si. Ah, great. Tu vas trop vite, j'ai pas eu le temps de regarder qu'est-ce qui passait à la TV à première classe. Ah ben on va s'écraser, c'est pas le temps. Ben oui, c'est le temps. Jésus-Christ a le droit à son dernier repas, moi j'ai pas le droit à mon dernier film. T'as chié. Ouais, cool. Hey, il y a un médaillon ici. Une valise. Ah ben mon calice, tu vas me dire aller ici, c'est ça? C'est le plan.
Je crois qu'on a réussi à temps. Après moi qui cours. Ah, c'est pas moi. Comment ça je l'ai? Mais là, une bébête de même va survivre à la chute, tu sais, il fait juste propager le virus encore plus à ce crétin. Après ça, il prétend travailler pour le gouvernement. Allez dans le cockpit. Elena, il faut y aller. Tu rends pas compte de qu'est-ce qu'il vient de faire, là? C'était vraiment cave, là. Oui, ok, ça y simplifie la vie, mais c'est pas pour les autres, là. Ah merde. Naturellement. Hein? Ah, tu parles d'un enfoiré, toi. Comment ça, je peux pas prendre ça? Cartouche. Calibre 10. Magnum. Juste à cause que je l'ai pas, je peux pas le prendre, genre. Non. Tabarnak. Merci bien. Ça me fait un easy kill. Ça va pas donner grand chose que tu montes aussi. Vous qui êtes comme de base, c'est pas vrai, c'est un cauchemar ou quoi?
Oh, Lightning Arc. Vous avez libéré de la pression et déstabilisé l'avion. Léon, tu vas devoir piloter cet avion. J'étais sûr que t'allais dire ça. Ok, ça marche. Essaye de passer ces deux-là. D'abord, désactive le pilote automatique pour rétablir les commandes manuelles. Ensuite, appuie sur le troisième. Oh bye, ça y est, on fait ça comme le jeu de cellulaire. Ils sont bien en arrière, ça. Oh non! T'es bien nul comme pilote! Mais là, c'est parce que. Hein? Ah, ça y est pas. Ça y est pas. Ça va pas au bas. Ok, ça marche. Essaye de pousser ses ouvriers. D'abord, désactive le pilote automatique pour rétablir les commandes manuelles. Ensuite, appuie sur le troisième bouton de la quatrième rangée du panneau supérieur. Ok, maintenant tu vas incliner le manche vers la droite. Oh, comment? Monte! Ça le pète! Come on! Ah, c'est ça, c'est Ada. Ouais, pas grave, là. Salut. Vous êtes la clé comme vous voulez. Léon? Ah non. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en pleine mission. Ouais. On m'a dit que t'étais devenu agent. Qu'est-ce que tu fais là? Je recherche le responsable. Conseiller de la sécurité, Simmons. Quoi? Tu dois sûrement faire erreur. Je travaille pour Simmons. C'est lui ton supérieur? Nous avons rendez-vous avec lui maintenant. Où est-il? Dis-le-moi. Jake! Laisse-moi gérer ça. Je croyais que t'étais censé éviter les contacts. Tout contact. Léon n'est pas n'importe qui. Il m'a sauvé la vie à Raccoon City. Je vois. Chérie! Oh yeah! Bon, lui? Un ami à toi? Plutôt un admirateur, genre qui me